Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, c'est les Canadiens contre les Blackhawks. Le gardien but pour Chicago sera Corey Crawford. Et pour Montréal, ce sera Ben Scribbins. Vous allez remarquer qu'en première période, Alex Galchenyuk regarde dans la baie vitrée. Mais quand on regarde de plus près, il a spoté de hot chicks. Malheureusement pour lui, Chanel était danseuse nue à Chicago pour un party de Noël en retard et elle est en tabaslac. Elle va faire un double front flip et ainsi kicker dans la tête les deux chicks pour ensuite sauter par-dessus la baie vitrée et kicker pas une fois, pas deux fois, mais trois fois à l'extérieur. C'est une crise de folle. Il s'est rien passé d'autre. C'est 0-0 après une période. En deuxième période, Markov va perdre la rondelle comme un cave et Andrew Desjardins va en profiter pour marquer. Ben Skidden n'y peut rien. C'est 1-0. Mais peu de temps après, c'est au tour de Brendan Gallagher de rater sa shot et Flickenden a pensé à Max Pacioretty. Le capitaine est content, tout le monde est content. C'est 1-1. La toute fin de la période, c'est au tour de Delouise de marquer sur un revers. La mascotte est en tabaslac. C'est pas grave, parce que c'est 2-1 pour Canadien. En troisième période, c'est au tour de Piqué Souban de faire un slap shot et de marquer pendant que défenseur des Blackhawks est en train de regarder le but de beaucoup trop près. Mais ensuite, les Blackhawks vont avoir un regain de vie à la toute fin de la troisième période avec ce but de Gerdbach en des jambes de Skinner. Mais c'est une prédiction corporate, donc ma prédiction c'est 3-2 pour Canadiens. Il est temps qu'il gagne, je commence à être écœuré. Oh, on se revoit un moment donné, je sais pas. Désolé de faire moins de vidéos de NHL. Je ne vous oublie pas. On se revoit, bye bye.